Et coucou tout le monde, on est lundi 11 décembre. Je suis rentrée du boulot. J'ai récupéré mon fils. Je l'ai posé à l'école. J'ai fait deux colis, je les emmène vite fait. Il y en a marre de ce temps de merde. D'ailleurs, je sais pas vous quel temps vous avez, mais alors nous ici dans le Jura. Franchement, ils pourront pas nous dire comment on dose cet été. Hein. Là, sinon, il y a un problème. Hein. Voilà. Donc, je vais emmener ces deux colis. Je vais faire deux courses vite fait en même temps. Pourquoi des fois ça finit? Je sais pas. Bref, mais on verra. Donc, voilà. Donc, là, j'ai son justement à Saint-Claude. Pour déposer mes deux colis et faire deux courses. Oh non, route barrée, mais j'y crois pas, mais faut chier. Pardon. Voilà, les joies des petits patelins dans la montagne. En fait, je pense que c'est fermé parce que les pierres tombent, les arbres tombent, enfin bref. Je pense qu'un jour le petit village qu'on va traverser là tout à l'heure, je vais vous tourner après. Je pense qu'un jour il va finir sur la route en dessous, hein, honnêtement. Parce qu'en plus, plus il nettoie au final, plus ça fragilise la montagne. Plus ça s'écroule, plus ça a les passages à bestiaux. Donc je vous dis pas quoi. Voilà. Ah, hop, j'ai plus d'essence non plus, ça fait du slip. Allez, je vais vous tourner un petit coup pour voir un peu. Déjà, je vous tourne un petit coup pour vous voyez un peu ce qui se passe. Donc, ça s'appelle Pontou, c'est un petit village. En fait, il est un peu, on va dire, sur deux étages. Mais je pense qu'un jour, ces maisons-là qu'on a, que vous venez voir passer, là, je pense qu'un jour, celle-là, elle va virer la route en dessous. En temps normal, moi, je ne passe pas là, hein, je prends ma route en dessous, voilà. Parce que vous voyez, ça passe pas vraiment. En fait, ça passe pas vraiment à deux voitures ici. Voilà. Et je suis vide. Juste un peu de. Ah, ils ont des colis. Sympa. Non, mais c'est plus petit que Futura. Ils s'occupent mieux de. Patelin ici bref, ça c'est les communautés de communes, hein. Une fois que vous rentrez dans une communauté de communes, quand vous êtes un petit village genre 200-300 habitants, vous n'existez plus hein, pour la commune principale où il y a la mairie, voilà, et là on va redescendre, ah ça va en bois, sympa, voilà, donc là on redescend, du coup, ça se couvre. Là aussi, alors nous maintenant on a les fameuses poubelles comme ça là. Alors, ils pensent pas du tout aux petits papis, aux petites mamies. Alors là franchement il y a un débat. Ils ont collé ça. Donc mon patelin il est tout en. Il est pas plat, il est en montée, voilà. Donc moi il y a des petites mamies qui habitent qui sont dans ma rue. Honnêtement, je pense qu'il n'y a aucune des deux qui peut ou monter tout en haut du village avec ses poubelles ou tout en bas. Hein. Franchement, aucune des deux conduit. Donc, bah, moi quand j'ai déposé les miennes, je leur demande toujours si elles ont des trucs à jeter ou quoi, et je leur prends quoi quand elles en ont. Mais enfin ouais, ils pensent c'est un égoïsme ces histoires de poubelles là, mais pur et dur quoi. On a plus de médecin pour soigner, donc on dit pas les petits vieux comme ça, comme ils stressent, souvent ils ont des renouvellements tous les mois à faire. Quand vous retrouvez son médecin et vous avez du diabète et un problème de cœur ou de ci ou de lavage du genre que vous vivez pas bien quoi. Hein? Voilà.
Voilà. Ensuite, il y a quitte à les faire crever encore un peu plus vite. On a donc ces histoires de poubelles qui sont mises maintenant aux extérieurs des villages. Ouais. Regardez l'idem, mais je pense qu'ils veulent plus qu'on ait de vieux. Hein. Je sais pas. Internet, comment voulez-vous maintenant que les petites vieilles, elles aillent refaire leur carte d'identité sur Internet? Enfin, déjà, elles ont même pas d'ordinateur, elles ont même pas un portable. Enfin, ouais, je sais pas. Franchement, je comprends pas le monde dans lequel on vit. Moi, ça m'exaspère. Complet. Complet. Les aberrations qu'on nous fait. Oui, on dit les vieux, mais en fait, même nous. Faites attention, les usurpations d'identité. Nanana, ouais. Ok, usurpation. Ouais, mais alors, par contre, voyez, pour faire votre dossier retraite, pour refaire votre carte vitale, pour refaire votre carte d'identité, un passeport, il faut aller sur Internet. Ah, mais usurpation d'identité, monsieur. Ah, mais il n'y a pas le choix. Ben. Ah, d'accord, en fait, on est vraiment pris pour des gros cons, en fait. Hein. Voilà. On est vraiment pris en France pour des putains de gros cons. Je suis désolée, hein, je suis vulgaire. Voilà. C'est comme disait hier à l'hôpital où toutes les petites jeunes qui arrivent, bon, elles n'ont pas de diplôme et puis elles sont mieux payées que nous, mais puis bientôt on nous apprend le boulot. C'est énorme, c'est de grands moments. Je vous jure, c'est des grands moments. Un très grand conseil à vous tous, hein. Ne soyez pas malade. Prenez soin de vous. C'est pas juste pour le dire, pour le faire, honnêtement. Faites-le, prenez soin de vous. Ne soyez pas dans les extrêmes, genre je ne bois plus, je ne fume plus, je ne fais plus rien de ma vie, comme ça il m'arrive rien. Mais soyez pas dans les excès, enfin, ne soyez pas dans le rien et ne soyez pas dans les excès non plus. Ayez un juste milieu, une hygiène de vie, un minimum potable, si je peux dire ça comme ça. Parce que honnêtement, je pense que dans 10-15 ans, il y aura plus d'hôpitaux en France. Nous serons comme on voit à la téloche, là, comme les Américains, avec des pauvres dispensaires qui seront gérés par des gros gens qui ont plein de thunes qu'on ne verra jamais, par des espèces d'associations de mon cul. Hein. Et en fait, les soignants que vous trouverez, ben, ce sera les vrais amoureux de leur métier. Alors, autant vous dire qu'il y en a quand même beaucoup. Hein. Ça, c'est la vieille génération. Hein. Maintenant, tout le monde, absolument. Elles en ont absolument plus rien à foutre des patients, des résidents. Hein. D'ailleurs, nous, on dit qu'on ne nous appelle même plus des résidents, pour nous, c'est des clients, hein, soyons clairs. Voilà. Donc, bah, ça fait flipper. Allez, encore un petit peu l'essence, là, ça fait. Allez, bon, allez. Bon allez, je vous laisse là parce que je vais rentrer en ville. Alors s'ils voient que je parle à rien du tout, il y a moyen qu'ils m'arrêtent juste parce que mon compagnon il est là. Il est tellement con ici dans le Jura. Voilà, vous savez qui je parle quand je dis qu'ils sont tellement cons. Allez, prenez soin de vous, les loulous, faites pas trop les fous et puis je vous dis à plus tard.